La vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Elle est pleine de surprises, d'espoir, de déceptions et souvent de bonheur parfois imprévisible. C'est un combat de chaque instant, une lutte incessante pour réussir. S'en sortir, faire sa place, voire survivre dans un milieu parfois hostile. Le destin imprévisible nous fait croiser la route de personnes dont on n'imaginait pas l'existence, mais qui, par la force des choses, doivent jouer un rôle dans nos vies. Je m'appelle Abby, j'ai 27 ans. Comme toutes les jeunes de mon âge, je croquais la vie à pleines dents. Mais je n'ai compris le cadeau que la vie m'a fait que lorsque j'ai été un cheveu de tout perdre. Ceci est une partie de mon histoire. Abby? Nam? Lignu mingade? Eh, Abby l'aimé. Abby, ma mougi fonde. Ma, tu vas encore parler de l'histoire du mariage encore? Mais bien sûr! Je viens juste de parler avec ta tante. Tu sais, Moussa, c'est ton cousin. Qu'est-ce qu'il y a de mal dedans? Bah voilà, c'est ça le problème. C'est mon cousin. Il y a trop d'histoires de... Tu te maries avec le cousin, au final, il te met des carottes ou je sais pas. Non, mais c'est bon. N'importe quoi, arrêtez vos idées comme ça. C'est pas tout le monde qui est pareil. Moi, je te dis. Réfléchis, t'es pas une gamine. Je veux pas. T'as 27 ans, 27 ans. Je viens d'avoir un boulot, laissez-moi respirer. Et le boulot alors, tout ça c'est des prétextes. Hein? Mon verre alors. Tu penses que t'es gauche et droite là, c'est ça, la vie? On verra, maman. Détrompe-toi, moi j'ai t'aidé ma fille. De manière là, j'ai rendez-vous là, dès que je reviens, on en fait. Vas-y, y a pas de souci. En tout cas, moi je te dis une chose, hein. C'est lui ou rien. Nos connaissances, nos fréquentations ont toujours un impact,
sur notre façon de faire. Leurs expériences ne sont pas les nôtres. Mais inconsciemment, elles peuvent avoir un impact sur nos actions. Abby, t'étais où encore? Ma belle. T'abuses. Non, je te jure, c'est à cause du gynéco, je te jure. Voilà, toujours, t'as toujours une excuse. C'est le fou, là. Il met une heure à nous prendre à chaque fois, je te jure, c'est la galère même. J'suis tellement fatigué, ma belle. Okay, okay. Ça va? Vite fait, hein. Je connais, hein. Y'a quoi encore? La daronne. La daronne? Je te jure. C'est quoi? Au mariage? Arrête. Elle est encore dans ça? Elle lâche pas l'affaire, je te jure. Elle lâche pas l'affaire. J'espère que t'es pas rentré dedans, hein. Tu dis quoi même? Moi je dis non. C'est mieux. Je dis non, c'est sûr même. Franchement, Abby, si je peux te donner un conseil là. Franchement, de ma propre expérience, rentre pas dedans. T'as vu ce que m'a fait mon ex-mari là? C'était là, hein, j'ai vu. Il a profité, il a tout eu, il a eu ses papiers, il est parti. C'est tous des bâtards. Je te jure. Mais elle met trop la pression, tu vois. Rentre pas dedans, je sais que c'est ta daronne, que tu prends de l'âge, que t'es une femme, que. C'est mais ça. Rentre pas dedans. C'est tous des bâtards, une fois qu'il aura profité. Il va fuir. Et elle me parle que de la famille. Oui, c'est mon cousin. Il faut en que j'aide plus, la famille. Oh, lolo. En plus, c'est ton cousin. Affaire de famille, là, c'est même pas la peine. Oui, s'il te dedans, plaît. Là, tu sais même pas comment tu vas en sortir. Tu vas souffrir. Tu vois, ta tête, là, ouais. C'est passeport qu'il voit. Ouais. Il voit que le passeport. Je te promets. Je te jure, c'est vrai. Non, rentre pas dedans. En plus, là, il y a ton copain ici, là. Tu vois. Et lui aussi, laisse tomber. Y'a quoi encore? Attends, y'a que des laisse tomber, non, ça va pas. Il n'est que en réflexion. Quand tu lui poses la question si c'est sérieux ou pas, il n'arrive pas à te répondre. Bref, c'est compliqué. Ah, en tout cas, c'est mieux que pardon, là, que Blédard ait qu'à faire de papier. Ça, c'est sûr, ça. C'est... Ça, y'a même pas. Lui, il peut pas fuir. Il est ici. Moi-même, j'ai vu ton histoire. Ouais, je veux même pas. Prends exemple, hein, Olé. Ouais, c'est comme ça. C'est même pas de réfléchir. C'est mort, tu sais, ces histoires de coups, tu sais pas quoi, tu me racontes ta vie. Toi, tu comprends pas que c'est mort. Mais, ah, y'a rien de sérieux. Toi, t'es vraiment dans un délire, franchement. Laisse tomber. On en a discuté la semaine dernière, tu m'as dit que t'allais me marier et maintenant tu commences à changer d'avis. Tu crois que c'était une histoire d'amour ou quoi? Mais t'es sérieuse, toi, ou quoi? Eh, c'est mieux que. Eh, laisse-moi parler. Moi, quand je parle, t'as vu? Non, c'est toi qui m'écoutes. Quand je parle, c'est toi qui m'écoutes. C'est quoi ton délire? T'as trouvé une autre meuf, je sais pas, dis-moi carrément, Moi je suis pas dans un délire, je sais pas quoi, love to love ou je sais pas quoi, tu me racontes ta vie. Moi quand je te dis c'est mort. T'es hyper sérieux là. En fait tu fais partie de tous ces mecs là, t'es un bâtard en fait, c'est ça. Mais quel manqué de respect, je te manque pas de respect, toi-même ne manque pas de respect. Tu m'as pris pour ta pute en fait, c'est ça. Ouais, t'étais un plan, bah tu sais quoi. On a souvent tendance à prendre certaines choses pour acquis. Mais la déception en est plus que grande. Et la chute fut brutale. Et alors, on se résigne en saisissant les opportunités qui s'offrent à nous. Maman, je voulais te parler mm-hmm. par rapport à la proposition pour le mariage avec Moussa. Et j'ai bien réfléchi en fait. Et je pense que je vais accepter. Un témoigné? Ouais. Parce que j'ai vu en fait, depuis que je t'ai dit que je voulais pas, mm-hmm. j'ai vu comment t'étais triste et tout. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur parce que tu fais tout pour nous.
t'essaies de nous donner une bonne éducation. Et je pense que, voilà, je te connais, tu veux que du bien pour moi. Donc pour moi, c'est sûr et certain que c'est une bonne personne. Mes copines, toutes, elles sont pratiquement toutes mariées. Je vais pas rester comme ça, tu vois, j'ai quand même 27 ans. Et ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre, mais maintenant j'ai compris et je veux vraiment te faire plaisir. Et en plus, c'est la famille. Je sais que ça se réglera toujours en famille, donc voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai même pas les mots. C'est fait, il m'a été marié, mais là, franchement, je suis très contente. Je suis très contente. Mais c'est normal, tu le mérites. Hein. Franchement, Andiga m'a su la forme pour un tcho et je suis très fière de toi, ma fille. Merci. De toute façon, je vais appeler ma grande soeur. Après, on va en parler, comment va se passer tout ça. D'accord, pas de soucis. Hey, yo. Ouais, Nigo, ça va? Ouais, on est là. On doit regarder qui est à la mettre. Ouais, mais la dernière fois, je t'ai attendu. Toute la soirée là, tu m'as dit que tu vas venir, t'es pas venu. Mais anime qui est goli moro tu. Hein? Ouais, c'est ça. Nki moro ire moro kotien. Souvent on a grimé dans la goli pour que. Hein? On a grimé dans la garage qui mouille nous goli makaram na tori yankin. Hein? Ouromane qui ne voit pas qui n'a ni tampi. C'est pour ça que maman. C'est pas facile. Allah maga. On est là. Sinon. Ah ouais. On est là. Amaya rien mundo. Non, amaya rien mundo là. Nia. Eh, Attends, on va y aller, mais tu m'as dit. On est bien là. On a grandi, tu combats. Et quelle sirénie? La sirénie. Quelle est-ce que tu as? La sirénie, Francine. Ah, quelle est-ce que tu as? Si tu te maries avec elle, tu auras les papiers, tu pourras travailler là-bas, tu seras bien. Tu seras mieux que dans ta situation actuelle. Oui, c'est vrai, mais. Francine, c'est compliqué. Il ne me rend rien. Comment? Il y a un peu de temps, Francine, quand même. Il y a un peu de temps. Ouais, c'est compris. Non, mais tu veux que c'est la vérité. Ouais. T'as pas menti, mais. Il y a des bonnes femmes, il y a des mauvaises femmes, il y a du mauvais partout. C'est-à-dire que toi, tu vas pas prendre en compte ce que les gens diront ou qu'ils vont dire dans le futur. Tu dois prendre en compte ta situation actuelle pour essayer de travailler pour que ta maman ait une vie plus paisible que maintenant. C'est vrai. Mais tu sais, mariage des familles aussi, c'est compliqué un peu. Adana est sur. Famille n'a rien à me dire. Ouais, c'est vrai. Adana, ça gâte toute la famille. Au boulot, je te laisse ici. Si tu veux monter tes affaires, tu peux les monter dans la chambre là-haut. Là-haut, là. Il faut juste tu montes les escaliers. Après, de toute manière, tu vas voir s'il n'y a qu'une chambre. Si tu as faim, j'ai préparé un bon petit repas dans le frigo. Par contre, excuse-moi, si c'est possible de moins laver la vaisselle après, dès que tu as fini de manger. Ok, d'accord. Merci. Je dois faire la vaisselle.
l'amour ne se décrète pas. Et les préjugés refont surface parfois même malgré nous. Une divergence d'éducation, de vision des choses, et la cohabitation devient difficile. Même très difficile. Ouais, tu te permets de te plaindre, de dire ci, de dire ça devant les gens, mais t'as pas honte, toi. T'as pas honte, en fait. Tu fais quoi de meilleur? Vas-y, dégage, je veux pas, j'en veux pas. Casse-toi, dégage avec ton verre, dégage, je veux pas te voir. Ouste, allez, dégage. Sale merde, quoi. Merde, allez. Moussa, qu'est-ce que c'est? Depuis tout à l'heure, je t'ai remarqué. Hein? T'es là, ta mine là, elle a changé, je sais pas, depuis ce matin. T'es dans ton coin, ton travail n'avance pas. Il y a un problème. Dis-moi tout. Igo. Hein? Mouka Kiano. À la maison. À la maison encore? Ça va pas. Mais tu m'avais dit il y a quelques jours que ça allait mieux, que tout allait bien, tout ça. Et là maintenant tu dis ta maison. Il y a un peu de temps. 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 C'est vrai que c'est pas normal, voilà. Mais tu lui as fait quoi? Parce que c'est bizarre. Je ne sais pas. 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 Ouais, c'est vrai. Ah. Mais calme-toi. On va essayer de gérer ce problème-là. Tu sais, t'es mon frère. Mmh. Tu vois, t'es venu il n'y a pas longtemps, tu me l'as dit. Moi, je suis là depuis longtemps. Je sais que la France est dure. Hein. Les femmes en France, là, c'est pas facile, frère. Voilà, c'est pas facile, Hugo. Hein? Ressaisis-toi, Hugo. Hein? Si c'est ça, là, moi, je peux te montrer d'autres femmes qui sont comme ça, qui sont bien. On s'en fout de femmes, ouais, grosses, c'est pas ça. Une femme qui va te respecter. Il sera là toujours pour toi. Quand tu sors du travail, là, elle va te donner à manger au moins. Mais de l'intérieur, il y a des tannés. Mais pourquoi? Mais si elle t'a ramené là, elle ne te respecte pas. On dirait qu'elle t'a amené pour que tu fasses la cuisine pour elle, comme tu m'as dit. Mais il y a des tannés, ça c'est net, tu vois. Il est pas reconnaissant. Il y a des gars qui sont derrière, il y a des gens qui sont là. Ça c'est des tannés. Hugo, écoute-moi. Faut pas qu'on va vivre pour la bouche des autres personnes. Parce que même si tu vas construire un château pour la femme, là, les gens vont continuer à parler. Il y a la jalousie. Tu connais l'Africain comme on est. On est mauvais. Tu fais les choses bien ou les choses pas bien, là, les gens vont parler. Hein? Non, mais si les Tanagana, Allah, tu n'as pas besoin de te dire, mais tu as dit, tu vois, famille, ça, faut qu'il n'y ait pas, tu vois. Non, tout le monde m'a. Mais c'est vrai que. Il faut un amounir, c'est vrai. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais, tu sais, de temps en temps, à côté, tu sais, si la fille, elle s'en fout de toi, toi aussi, tu t'en fous d'elle. Jusqu'à elle-même, elle va partir. En attendant, là, moi, je connais une autre personne, là. Elle peut gérer ton problème. Fais-moi confiance. Je vais l'appeler. Si elle répond, là, c'est ça. Si elle répond pas, c'est pas grave. D'accord? Fais-moi confiance. C'est compliqué. Non, c'est pas facile. C'est pas facile.
on ne connaît l'importance de la santé réellement que lorsqu'on la perd. C'est surprenant, hein, mais c'est comme ça. J'ai une insuffisance rénale. Et ça fait bientôt 5 ans que j'attends un donneur compatible afin de me faire greffer. Plus j'attends, plus mes crises sont fréquentes. Et les séances de dialyse plus rapprochées. Il existe un traitement expérimental pratiqué à l'étranger, mais le coût est trop élevé et n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Moussa, c'est comment? Tu m'as appelé pour que je vienne ici. C'est pourquoi? C'est pour pointer encore? T'es sérieux ou quoi, Hugo? Tu veux te faire virer, c'est ça? Non, c'est pas ça, Hugo. Mais c'est quoi alors, frère? T'es sérieux? Depuis, je suis en train de pointer à ta place là-bas. T'es sérieux? Non, j'ai des problèmes à la maison. C'est ma femme. Toi, ton histoire de femme aussi qui finit jamais, frère. Franchement, tu peux pas la quitter? Non. Hugo, la dernière fois, je t'ai parlé au travail. Tu te rappelles ou pas? Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que tu es fatigué. Moi, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que je peux toujours trouver une solution. Hugo, oublie ça. T'es un garçon, frère. Même à 50 ans, on peut trouver des femmes. Non, écoute-moi. Elle a fait un malaise il y a 2 jours, là. À Renoir, Cameroun. Hein? Comment? Ça croit que t'as une entraîneur. Wow. Elle a eu quoi? Ça, je travaille, tu vois. Non, je comprends. Mais Hugo, écoute, t'as vu, je comprends. Franchement, je compatis. Sincèrement. Mais la fille, là, franchement, ça aurait été toi dans le coma. Tu penses qu'elle t'aurait calculé? Ouais, mais avec tout le mal qu'elle t'a fait, là, tout ce que tu m'as dit? Sur une tabane. C'est ma femme, malgré tout ce qu'elle m'a fait. En plus, c'est la famille. Donc, je ne peux pas la laisser comme ça. J'avoue, franchement. Tu sais quoi, franchement? Wallah, je vais te dire sincèrement, tu es mon ami. Tu es un bonhomme. Toi, franchement, tu es un bonhomme. C'est ça, on dit que tu es un douaréné. Franchement, respect. Parce que moi, personnellement, franchement, j'aurais lâché l'affaire. Mais là, ce que tu es en train de prouver pour ta femme, là. C'est pas tout le monde qui le fait. Mais bon, tu sais quoi, regarde, c'est simple. Moi, il y a 2 semaines, j'ai touché la tontine, là, le parier. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Franchement, j'ai touché un bon pactole. Si tu veux, je peux t'aider. Je peux t'avancer les sous, franchement. Non, t'es non, mon non, gars. Non, non franchement, Hugo, voilà, Bida, t'es mon ami. Merci, non, t'inquiète pas, je vais gérer. Tu me connais, je vais gérer. T'inquiète pas. T'es sûr? Merci, ouais. Parce que le travail en France, c'est pas facile, Hugo. Non, t'inquiète pas. Déjà, un seul. Là, tu me parles de 2-3 trappes. Je vais gérer, t'inquiète pas. D'accord. Merci. Ah, Hugo, franchement, que Dieu t'aide, hein, voilà. Œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion n'est pas le maître mot de tous. Et heureusement d'ailleurs. J'ai accueilli Moussa avec des préjugés de profiteur, d'intéressé. Je l'ai traité avec mépris. Je l'ai abreuvé d'insultes. Je lui montais mon côté sombre. En retour, il m'a montré de l'affection. A pris soin de moi lorsque j'étais au plus bas. Il a investi toutes ses économies dans mon traitement et a multiplié les petits boulots pour que je puisse retrouver la santé. Mes regrets m'envahissent. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est essayer de me faire pardonner et rattraper le temps perdu. Qui sème le vent récolte la tempête. Pas toujours, j'ai envie de dire. Cette expérience m'a appris à me défaire de mes appréhensions vis-à-vis des personnes que je ne connais pas. Parfois, quand tout semble perdu, la lumière jaillit comme sortie de nulle part, comme le soleil en pleine tempête de neige. Et derrière ce soleil, notre sauveur. L'espoir reste permis tant que la vie suit son cours. L'amour s'invite quand on ne l'attend plus. J'ai appris par ton absence que l'amour rendait plus fort. Tenons le coup, soyons patients. Tu sais, on dit le silence et d'un relève la tête. Regarde-moi, fais-moi confiance et tu verras. Relève la tête, regarde-moi, fais-moi confiance. On ira loin à conscience. Je n'étais qu'une simple fillette qui voyait la vie à 1000 paillettes. Toujours à vouloir briser les interdits, bien plus que des galères.
interdit les bases. Car avec toi je m'envolais, avec toi je m'apaisais, avec toi le monde s'arrêtait de tourner. J'ai appris par ton absence que l'amour en est plus fort. Tenons le coup, soyons patients. Tu sais, on dit le silence et d'en relève la tête. Regarde-moi, fais-moi confiance et tu riras. Relève la tête, regarde-moi, fais-moi confiance, on ira loin. Te rappelles-tu de notre époque, de notre jeunesse, sans stress équivoque où on ne souciait même pas du temps? C'est vrai, c'était dommage car on ne se voyait pas souvent. Si on est arrivé à se capter de temps en temps, c'était pour un petit laps de temps. Autrement dit, cela m'a même permis, il suffit de tomber amoureux de toi, de penser rêver de toi car la nuit de toi, on imagine notre belle chose que je voulais simplement.